cette soirée est une soirée un petit peu exceptionnelle puisqu'elle elle va être axée et tournée sur un chanteur-compositeur québécois, Étienne Bouchard. Donc une soirée qui va nous permettre à nous autres musiciens de se frotter un petit peu à des textes d'une rare beauté et qui implique donc tout un orchestre chambre avec des professeurs du conservatoire mais également de jeunes élèves du chœur maîtrise et du chœur adulte. Donc cette soirée va nous permettre effectivement de découvrir un répertoire qui a été spécialement orchestré, de découvrir cette langue française et de créer vraiment des liens entre le Québec et la France et se rendre compte que la beauté de cette langue est encore préservée sur une terre inconnue. La communauté de communes Onis-Sud, dont je suis la vice-présidente en charge de la culture, et M. Christian Méchin, directeur du conservatoire de la communauté de communes Onis-Sud, sommes heureux de vous accueillir dans cette salle du Castel Parc pour ce concert intitulé « À la rencontre du Québec et d'Étienne Bouchard ». Les liens qui unissent certaines familles locales ici présentes avec le Québec sont à la base de ce projet qui prend forme ce soir avec l'invité d'honneur ici présent, chanteur, compositeur et interprète québécois, M. Étienne Bouchard. On peut l'applaudir. Le répertoire a été spécialement arrangé par le directeur du conservatoire pour l'orchestre de chambre et le chœur maîtrise afin d'accompagner en soliste notre artiste invité. Les répétitions et les rencontres avec le musicien en amont du concert ont permis de favoriser des échanges d'une grande richesse avec notamment tous les participants du projet mais également les élèves des classes de formation musicale. Ça a été un plus pour tous ces élèves.
bonsoir tout le monde. C'est vraiment un honneur pour moi. Je vous avoue, cet après-midi, l'émotion était là. Quand Christian jouait, je n'ai pas pu rien faire parce que c'était tellement formidable, les violons. Et certainement, maintenant, c'est difficile de trouver des vrais instruments. Même les grandes vedettes ne peuvent pas se payer, ne peuvent pas se procurer un groupe aussi formidable. C'est vraiment chanceux, j'ai vraiment de la chance. Très content d'être là ce soir. Et puis, restez assis un petit bout de temps, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Je vais vous demander de faire comme avec la famille de Céline Dion. On va chanter « Salut cousine » et avec moi, je voudrais voir les bras tout le monde. « Salut cousine, cousin français, ta parenté, là-bas. » Vous savez que je vous avoue que je suis c'est un peu difficile pour moi parce que je suis d'abord un pianiste de piano-bar et j'ai commencé comme ça ma carrière et puis à faire un petit peu, à parler avec les gens. Je me souviens que j'étais allé aux États-Unis et le gars faisait la même chose que moi. J'ai dit, tiens, on dirait qu'il a copié sur moi. C'était pas en français, mais... j'ai commencé comme ça, à faire un petit peu, arrêter, à repartir. Alors avec Christian, il faut que je sois essayé d'être discipliné, de faire ce qui est... C'est une petite erreur, Christian, tu me pardonneras. Christian me fait un grand honneur ce soir de faire ça. Alors tout le monde avec moi, on va... Salut cousine. Salut cousine, cousin français, ta parenté au loin là-bas. Tiens te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Tiens te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Jean-Jacques Cartier de Saint-Malo, lance sur la mer ses trois bateaux, quand des marins de La Rochelle lancent à leur tour leur caravelle. Face au péril, face au danger, c'est les débuts des traversées, des gens hardis qui viennent fonder une nouvelle France. Montréal est où? Nouvelle France de l'autre côté, Québec est où? Il y avait quelqu'un qui avait un voilier un soir qui m'a aidé, il y avait comme un GPS pour les voiliers. Il m'a dit où était Québec. Une nouvelle France de l'autre côté. Et aidez-nous tout le monde. Vous faites partie de l'orchestre aussi. Salut cousine, cousin français. Ta parenté au loin là-bas. Tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. C'est sur les rives du Saint-Laurent, de la Gaspésie ou lac Saint-Jean, que vivent toujours les descendants venus de France par l'océan. De Picardie, d'Aix-en-Provence, des Charentes, de toutes les régions de France, des hommes, des femmes, des grands couvents, par des boudins de mon rivage. Salut cousine, cousin français, ta parenté au loin là-bas. Tiens à te dire, on aime encore parler français. Tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Depuis ce temps, le sang français coule dans nos veines et se transmet. À Montréal comme à Paris, la fleur de lys a refleuri. Sur le Québec, sur l'Acadie, sur l'Ontario, dans les prairies, mais c'est un océan à l'autre que le français est encore nôtre. Salut cousine, cousin français, ta maman vient au loin là-bas. Tiens à te dire, on aime encore parler français. Tiens à te dire qu'au Canada, on aime encore parler français. Un jour, tu viens chez nous, tu pourras voir un peu partout la langue française bien affichée, la langue française bien protégée. Chez nous, on n'est pas encore très avancé. C'est pas le shopping, c'est le magasinage. Et puis, il y a le parking, c'est le stationnement. Mais peut-être qu'avec les jeunes et l'Internet, ça pourra changer.
Et le e-mail, c'est le courriel. Je pense que c'est commencé en France maintenant. Il paraît Bernard Pivot parlait dernièrement, puis il disait que ça va venir bientôt, que le français, ben, je ne sais pas avec les jeunes ce que ça va faire. Enfin, je sais que ma génération, on s'est battu très fort pour conserver cette langue française. J'en aurais long à vous raconter, il y a eu la crise d'octobre, où il y avait eu des gens qui s'étaient emparés d'un diplomate anglais dans l'Angleterre, et je ressemblais à ce gars-là. Alors la police m'a arrêté pour prendre des empreintes digitales, mais c'était pas moi. On a eu même des chanteurs québécois qui ont été arrêtés par l'armée du Canada. Et le premier ministre du Canada avait parlé pendant une heure de temps contre... Et voilà. Vous montrez qu'on se bat beaucoup pour la langue française. Bon, je vais recommencer le refrain. Salut cousine, cousin français, ta parenté au loin là-bas. Tiens, te dis qu'au Canada, je te dis dans le couplet, et si un jour tu viens chez nous, tu pourras voir un peu partout la langue française bien affichée, la langue française bien protégée. Plusieurs de nous, avec fierté, parlons français dans nos cités, par l'amitié et la douce France. Peut garantir notre survivance. J'ai pas arrêté cette fois-là. Salut cousine, cousin français. T'es à te dire pour Canada. T'es à te dire pour Canada. On aime encore parler français. Négatif. Je ne sais pas si en France, non, en France, les gens sont toujours très positifs. Mais aussitôt qu'on parle de quelque chose, tu vas parler de quelqu'un d'un problème, c'est toujours le côté négatif qui revient. Je ne sais pas pourquoi dans notre cerveau c'est comme ça. Il faudrait qu'on ait un cerveau qui soit toujours positif. Au lieu d'être négatif, ce soit positif, ben oui. Alors, quelqu'un veut prendre le violon. Oh, c'est un instrument qui est trop long. Faut que tu commences Il a commencé à 4 ans, lui, à prendre le violon. Est-ce que tu étais positif à 4 ans? Mais moi, mon père, qui était marin, mon père, qui était capitaine de navire, il disait que c'était pas un métier. Alors, il dit, fais pas. Alors, j'ai fait ce métier-là en cachette. Fallait que je me cache pour aller jouer de la musique. Est-ce que c'est encore comme ça chez les jeunes aujourd'hui? Est-ce que les jeunes ont besoin de se cacher? Alors, c'est ça, j'avais un père qui était capitaine de navire, puis il disait, c'est pas un métier, c'est un métier de paresseux, faire la musique. Et chante en cœur.
ça turluté. On turlute. Habituellement, quand on fait comment, vous répondez comment? Le comment? Comment? C'est toute une famille de musiciens, c'est des familles qui vous connaissent. Hey, c'est extraordinaire. Même le public est musicien. Comment? 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 Danser, danser le tigre-don. Vraiment, 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 ça manque à mon éducation. Comment faire pour danser le tigue-tigue-don? Aidez-moi quand je me désespère, je vais tout droit vers la dépression. Ah, dites-moi comment faire pour danser le tigue-tigue-don? Je fais de l'eau pris dans mon pantalon. Tigue-tigue-tigue-tigue-don, c'est rendu que j'endors plus la nuit. J'en fais parfois même de l'hystérie. C'est ainsi, mon obsession grandit chaque jour. J'ai perdu le goût de faire l'amour. Ah non, il y a des enfants ici. J'ai perdu le goût de manger du yaourt. Et pourquoi? Expliquez-moi. Au grand large et au quai du fleuve Saint-Laurent, le chant des goélands tire lire lent. Le chant des goélands tire lire lent, tire lire lire lent. Au mât des grands huniers, des navires à vagues, la manne a percé sur le Saint-Laurent. Reconnais le chant tire-lire-lent, le chant des goélands tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. À la clameur des vagues, à la fureur des flots, au bateau que l'on lave, s'ajoute un écho. Cette semaine, on est heureux. C'est le festival, la balle est bleue. Chez nous, il y a le cap Bon Désir, joie et gaieté se mêlent au vent, mêle le voile des navires. À voir flotter les moutons blancs, notre grande baleine, on y admire, montant les eaux du Saint-Laurent. Fais baisser, avant l'automne, à Bergeron, on s'amuse et on chante. C'est le festival, la baleine bleue. Chez nous, bien sûr, les gens sont fiers. On s'y entraîne, on se donne la main. Gens d'aujourd'hui et gens d'hier. Notre baleine bleue, on l'admire. Notre baleine bleue, on est content de la revoir à chaque année. À l'automne, la mer-là, on s'amuse et on chante. Cette fin de semaine, on est heureux. C'est le festival. On n'arrête pas. Avant l'automne, à Bergeron, on s'amuse et on chante. Cette fin de semaine, on est heureux. C'est le festival. La baleine bleue. Avec tout le monde, plus fort, en criant. Avant l'automne, à Bergeron, on s'amuse et on chante. Chanter pour un cœur qui s'ennuie.
que nos ancêtres
laisser ce terroir pour ne plus apparaître. Passant par les Charentes, découvrir de nouvelles terres, apercevant les villes de Belleval et le Pilon, de la Rochelle revenir, de Margeron. On a très vite compris qu'on est parti d'ici. Et mon sac sur le dos, en inventant ses noms, je m'en vais à Jonzac pour boire du bon cognac. Mon sac sur le dos, en inventant ses noms, l'île de Ville de Léron ne m'ont pas mis. Par la parole anglais. Ce petit gars n'avait pas compris. Ce pauvre garçon dans les ambitions de devenir officier pour être gradé dans l'armée. C'est le Québécois qui s'est enrôlé dans l'armée canadienne, brave villageois, qu'on faisait marcher. Ce pauvre petit gars, il était bien mal pris, par la bonne anglais. Ce pauvre petit gars n'avait pas compris. Travailler en toute loyauté, au pas cadencé pour s'assimiler dans l'armée. Thank you.
Thank you.